La nuit est tombée au Cap. Le moment pour ces habitants du quartier de Newland de venir s'approvisionner en eau. Ils ne vont pas la consommer, mais la stocker, en vue de la pénurie qui se profile. Selon les autorités de la deuxième ville du pays, à partir du 11 mai, la population pourrait se voir couper l'eau, le résultat d'une sécheresse record qui touche l'ensemble du pays. Nous allons vite réaliser que l'eau a plus de valeur que le pétrole. Je ne veux pas critiquer, mais il me semble que des plans auraient dû être mis en place depuis longtemps. Chaque habitant a le droit à 25 litres d'eau par jour. Signe de l'anxiété qui monte au Cap, les sources publiques sont désormais surveillées par la police. Un homme a été arrêté pour avoir enfreint leur réglementation.